Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Mimi. Salam, salam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser mon rêve. On va adopter un chien. Oh, ça va être incroyable. La famille, ça va faire beaucoup de temps qu'on hésite à adopter un chat ou pas. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait lui là-bas là? Salam, salam la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai bien réfléchi, Myriam. J'ai trouvé le chat que je veux. Venez, on prend ce chat là. Ah, on prend ce chat là, mon gars. Non, c'est un tigre ça. Mais c'est pas un tigre, c'est un chat qui a bien mangé comme moi, quoi. Mais non, non. Mais vous m'énervez, vous voulez jamais faire mes idées aussi. On prend pas un chat comme ça, on prend un chat tout petit, mignon, comme ça, après il grandit, on veut pas un chat comme ça. Younes, reviens, il y a un chat qui est dans le jardin, viens, on va le voir, reviens. C'est le moment où jamais si on va adopter un chat. Les gars, il est venu nous rendre visite, regardez, il est venu se mettre là, comment on pourrait l'appeler? Smecta, Smecta. Blanor. Mais non, pourquoi Blanor? C'est pas un homme, c'est... Est-ce que t'as un homme ou une femme? Si t'es un homme, bouge l'oreille droite, si t'es une femme, bouge rien. Tu vois, c'est une femme. Tiens. On veut t'adopter, en fait, on veut t'adopter. J'arrive chercher de l'eau. Va lui chercher de l'eau, faut qu'on l'adopte. T'inquiète pas, on va bien s'occuper de toi. A few moments later. Non, non, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Myriam, il part. Ouah. Il veut pas oh, de nous. Il est trop gay. Chef, chef, on t'a ramené. Lolo. Il est en train de marcher là-bas, là. Montre-lui là-haut, l'eau, montre-lui grave. Pas, il veut pas, il est parti. Regarde, Lolo. Il a dû prendre peur parce qu'il y a quelqu'un ici. Qui a touché à Blanor? Le temps que le chat est revenu parce qu'on sait pas les parties où, on va faire du football. Ouais, vas-y. Est-ce que t'as progressé en jongle? Ouais, ça va. Vas-y, montre-nous si elle a progressé en jongle, on va voir. Avant, bon, je précise que je suis pas incroyable en forte avec des baskets. Vas-y, joue pour voir. 1, 2, 3. Bon, on va dire que c'est le premier essai, on va lui laisser un deuxième essai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 ouvres, 6 ouvres. C'est son nouveau record. Hein. C'est ton nouveau record? C'est incroyable. Non, et bien sûr, pour dégoûter les enfants qui font des nouveaux records, regardez-moi, j'en fais 6 sur caca de chaussée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Est-ce que tu peux lui donner un conseil pour qu'elle aille à 10? En gros, le conseil que je peux lui donner, bah, c'est s'entraîner. Là, elle a la bonne technique, faut juste qu'elle s'entraîne pour qu'elle ait bien l'équilibre parce qu'elle a tendance à faire ça. Elle tape grave bizarrement, aléatoirement. Faut rester en équilibre et mettre des petits coups, tu vois. Petit coup et contrôler. Tu vois, donc faut que tu t'entraînes. Encore? Wesh. Oh là là, je pense qu'elle va grave progresser. Et dans les vidéos qui vont arriver, vous allez voir une progression de fou. J'ai aussi progressé en frappe, quoi. Faire une passe en rapid fire et après boulet de canon. Sur 3 frappes, elle te met combien de buts? 0. Allez, Myriam, montre-lui c'est qui la boss. C'est sûr. Je vais tenter mon contrôle comme ça. M'attrape pas. Et le contrôle, la spéciale, la feinte. Maintenant, boulet de canon. Oh là là. Mais pourquoi t'arrives pas à mettre des boulets de canon? Je suis en basket. Et alors, moi avec des baskets, je mets des boulets. Contrôle, okay. Boulet de canon, stop, il te doit de l'argent. Là, il te doit des sous, Yacine. Il te doit 100 euros, imagine. Bon, on me doit pas 100 euros. Maintenant, il va t'en faire juste une en claquette chaussette. S'il marque, c'est la honte. Vous allez voir, je vais faire ma spéciale. Oh, la spéciale. Contrôle. Ah, mais je croyais que le chat était revenu. Ouais, ça doit être ça. 1 hour later. Les Rey, ça y est, il est venu à la maison, il veut jouer au foot. Tu veux jouer au foot avec moi? Vas-y, on va faire un petit foot. Non, viens. Il aime pas le foot. Viens, on va manger des tacos. Mais lui, il est pas doux avec les chats. Eh, par contre, les animaux, faire super attention parce qu'ils sont un peu imprévisibles. Moi, quand j'étais petit, je me suis fait attaquer par un chat, c'était un truc de ouf. En gros, on était sorti pour jouer au foot avec Younes et tout. Et il y a un berger allemand qui est lâché. Et le berger allemand, il court vers nous. Et moi, je suis le seul débile qui court pas. Tout le monde a couru sauf moi. C'est-à-dire, le berger allemand, il arrive à côté de moi. Et moi, j'ai les réflexes de mettre ma main pour protéger. Et quand tu fais ça, les animaux, ils croient que tu veux le jouer. Du coup, le berger allemand, il a sauté, il m'a croqué la main comme ça, il est parti. C'était un truc de fou, j'ai eu grave peur. Wesh, mais pourquoi t'as pas couru toi aussi? J'avais eu trop peur. Mais normalement, faut courir, faut laisser Younes. Quand il t'a mordu, t'as eu quoi à la main? Heureusement, quand il m'a mordu, j'ai pas eu de blessure, c'est pas ouvert ni rien. Sinon, je pense que j'aurais été à l'hôpital. En vrai, j'ai eu la peur de ma vie. Tiens, mon frère, tu veux jouer avec moi? Tiens. Allez, viens, joue. Joue. Je sais que tu veux jouer. Allez, viens jouer. Oh, il aime pas le foot, il est chelou. Oh là, mais c'est quoi cette technique? Moi, personnellement, ma technique, j'aurais dit au chat, viens, j'ai des croquettes. Il serait venu en courant. Mais le chat, il comprend pas ce que tu dis. Mais non, je lui aurais dit. Après, j'aurais dit, regarde les croquettes. Ah, quand tu fais. Ça veut dire, il y a des croquettes. Vas-y, en fait, il faut être doux avec les chats. Mais un chat, ça mange quoi? C'est ça, je comprends pas. Des bonbons, du poulet, bah comme nous, je pense. Mais n'importe quoi, mais toi, tu veux le tuer. En vrai, le chat. je m'y connais pas, tu me demandes la question à moi. Dites-nous dans les commentaires, le chat, il mange quoi, les amis? Non, on sait pas. Mais en vrai, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on puisse l'acheter des jouets pour qu'il puisse jouer, ça, c'est sûr. Ah, il joue pas à la Play, frère, ben, ça. Mais toi, t'as un P4, toi, c'est un truc de ouf. T'as un P4, frère. Hey, tu sais quoi? Viens, on va au magasin, on va voir ce qu'il mange, on l'achète des jeux et de la bouffe. Vas-y. Ah, c'est ça qui mange les chats. Mais attends, mais ça, c'est de la viande. Attends, je regarde, effilé. Ouais, c'est mais c'est pas halal. Est-ce que les chats doivent manger halal ou pas? Non, les animaux ils doivent pas manger halal ou pas halal. Ah, eux ouais ils mangent juste de la viande. Bah oui, frère. Ah, heureusement, je suis pas un chat parce que ce qu'ils mangent, frère, des croquettes. Des croquettes au saumon, regardez, ils mangent. Oh, en fait, eux ils mangent que de la viande et des protéines. Ah non, regarde ici, il y a quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est des cookies. Mais non, ça c'est pour qu'ils fassent caca, genre. Ah bien, ah, moi je suis pas. On va regarder ça là. C'est 2 euros. C'est comme des Kellogg's. Ah, j'avoue, c'est des céréales. On va lui mettre ça dans le jardin, je pense qu'il va bien aimer. En vrai, il y a pas mal de jouets qu'on peut prendre. Là, les billes, je me suis dit peut-être des billes, mais imagine les avales. Et toi, tu dis, moi je suis un P4, mais toi, t'es le roi des P4.
4. Comment un chat il va jouer avec des arrête, billes? Arrête, lui peut-être on va prendre un pistolet à billes, genre quand il court, tu tires dessus. T'es un ouf. Prends genre, je sais pas, des petits trucs comme ça, la couleur, t'as vu. C'est un bébé pour qu'il joue avec ça ou quoi? Bah au moins trouve lui un bon jouet, ça se fait pas si on adopte un chat, il a rien à faire pendant la journée. Ah c'est bon, j'ai trouvé, on va lui prendre une petite balle comme ça. Voilà, ça. Ça tu la jettes et il va te la chercher. C'est le moment de manger les gars, parce qu'il faut bien manger pendant cette journée. Si je mange pas, vous savez très bien, je peux pas réfléchir. Donc là, qu'est-ce qu'on s'est pris? Ma mère, les gars, ma mère, elle a fait un Big Burger. Regardez comme il est beau. Eh, il est mieux que McDo, que Quick, tout ce que tu veux. Regardez comment il est beau, mais ça reste un hamburger de la Hess. Regardez à l'intérieur. Il y a que de la viande et du ketchup. Pourquoi il y a pas de fromage? Maman, pourquoi il y a pas de fromage? Ah ok, aujourd'hui c'est un jour spécial, je vous ai dit dans la vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis fait mal, je me suis arraché des poils. Quand t'as un pansement, je t'explique. Je l'ai fait. C'est l'heure de manger, mais ces poils sur la table, elles dégoûtent. On a pris sauce mayo. Mais de la mayo. Sauce algérienne, je vais faire un combo. Donc vous connaissez pas. Sauce algérienne. Mais ça, c'est en 2025. En 2025, j'ai inventé ça. Tu doses comme ça. On parie dans les prochains fast food, ils vont faire ça. Écoute bien ce que je te dis. Il y a une nouvelle chose qui va sortir, ça va être la mayo algérienne. Tu fais ça, regardez, tu mélanges. C'est ça. Une cuillère ou quoi? Goûte-moi ça. Goûte-moi ça, s'il te plaît. Goûte-moi ce nouveau mélange. Mayo algérienne. Écoutez juste, hein. Écoutez. C'est tout simplement la Andalouse. J'avais une question aussi. Comment on fait pour adopter un chat? Depuis tout à l'heure, on vous montre les chats à côté. Mais si là, genre, je veux acheter un chat bébé. Parce que moi, nous, on veut un chat bébé avec Myriam. Sur le bon coin. Sur le bon coin, ils vendent des chats des fois. Regardez sur le bon coin, ils vendent des chats. Par contre, 590 balles, 1000 euros. Ouais, je l'ai pris déjà, c'est super cher. Mais c'est pas grave, il est trop beau le chat. 1000 euros un chat. Lait. Ah. Oh, magnifique. Les gars, elle n'a même pas 15 ans. Elle n'a même pas 15 ans. Regardez-moi. Le burger, Miskel, elle l'a fait, Donc vas-y, continue de manger. On va aller voir les chats, les gars. On vient d'acheter des croquettes pour chats. Donc les chats, ils kiffent ça normalement. Et Myriam, tu veux goûter? Non. Et le chat, les gars, sont terre-terre. C'est le toit de la cabane. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être stratégique. On va poser des croquettes sur le toit de la cabane. Et normalement, le chat, il va venir, il va se régaler. Eh, il va graviser, mais après, il va faire que ce côté-là. Myriam, tiens-lui l'échelle, on sait jamais s'il tombe, il y a un accident en pleine vidéo. Ah, c'est l'échelle à mon père, à chaque fois, il monte dans le toit. Est-ce que t'as le vertige? Pas trop. Ok, on va poser les croquettes ici. Faut qu'il les pose, genre là, toujours là où il va. Je les mets comme ça. Vas-y, mets-les comme ça. Comme ça, voilà, comme ça, il va venir. Il va pouvoir grailler dedans. Faut que tu les verres. Non, je les mets comme ça, il va manger directement dans la boîte. Il va tout manger. C'est que les chats ils savent pas doser, après être obèse. Maintenant les croquettes sont posées, il y a juste à attendre que le chat vienne pour qu'il puisse se servir. Tu fais quoi? Je suis en train de faire du sport là parce qu'en fait le chat il veut plus revenir. Du coup je sais pas quoi faire. Donc le temps qu'il revienne, moi je fais du sport. C'est stratégique toi. Bah oui, comme ça au moins s'il vient, je suis juste à côté, je peux le voir. En fait on lui a mis des croquettes, on a tout fait, mais il veut pas venir. C'est-à-dire que peut-être qu'il est pas là, peut-être qu'il est enfermé chez lui ou. Généralement, ils font des siestes après. Ah, tiens, j'ai une idée. Quoi? On a qu'à changer de pays. Ah, pourquoi faire? On va dans le pays des chats pour avoir un chat. Eh, à ce qui paraît, ça existe le pays des chats, en Espagne, il y a grave des chats. Ah ouais? Et vous voulez qu'on aille rappelle en où on est en vacances là? Ouais. Il y a v'là les chats. Et là-bas, les chats, quand tu les appelles, ils viennent et tout. On peut en adopter un là-bas, c'est sûr. Oh! Mon chat, il est enfin arrivé. Gars, j'ai peur, l'approche. On va faire l'approche. Pour l'instant, il lève pas sa queue, il est tranquille. Non, arrête de faire le miaou. À ce moment, on est en train de l'insulter. Tu veux l'appeler comment? J'ai envie de l'appeler Grippy. Ok, Grippy, bah go le caresser. Grippy, assis-toi. Grippy, allonge-toi. Si tu le caresses et il dit rien, c'est que c'est ton chat. Oh. Il est parti. Grippy, cours loin. Tellement il fait chaud, il cherche à se cacher. On va lui ramener l'eau, tu penses qu'il va boire de l'eau? Ah, il va boire. Viens prendre de l'eau. Viens te désaltérer. Oh, il arrive, c'est bon. Tu viens dès que tu poses. Pose-le. Mais pourquoi t'as lancé par terre, Myriam? Mais c'est un chat. Je crois que c'est un lait ou quoi? Il y a plus d'eau. Vas-y, va ramener l'eau. On va te ramener de l'eau, BG. Je vais lui ramener. Il a fait une attaque furtive. C'est pas une attaque, c'est. En fait, il a senti l'eau et s'est dit oula, j'arrive tout de suite. Moi, je vais lui montrer à Myriam. D'ailleurs, en attendant que Myriam aille ramener de l'eau, en vrai, je crois que c'est vraiment son chat. C'est de l'eau. C'est pas un chétan, je suis un humain. Tiens. Ah, y'en a un autre qui arrive. Ah, l'autre, il arrive à boire de l'eau. Laisse-lui à l'eau, Il est où? Allez, viens. C'est son père, lui. Prenez de l'eau, mais prends de l'eau. Allez, bois. Wesh. Ouais, ils en veulent pas. Ils cherchent à manger. Ils veulent du coca ou? Donc, moi, regardez, c'est simple. Myriam, c'est ton chat et toi, t'es mon chat, ok? Toi, je t'appelle Léo. Non, moi, je l'appelle Grippy. Non, Léo, moi, c'est mon chat, Léo. Non, Grippy. Viens, Léo. Tu peux aller les toucher? Eh, on dirait il y a le grand frère et la petite sœur. Ouais, c'est Younes, ça c'est moi. Bon bah reposez-vous. Il se repose un peu, il nous aime pas trop pour l'instant, les gars. Vous inquiétez pas, après ça va venir. Et dites-vous, je marchais et j'ai assisté à une bagarre de chats. C'était tellement violent, regardez. Non, là par contre, ils abusent à se battre. Waouh, il va le tuer. Wesh, les chats, moi je vous adopte pas si c'est comme ça. Laisse-le tranquille. Lui, genre, moi, lui, c'est le grand frère, mais genre, il veut trop prendre la cité. Oui, lui, en fait, lui, là, c'est le grand de la cité. Oh là là. Lui, c'est le plus petit, alors ça y est, laisse-le. Arrête. Il veut le mordre. Je veux le tabasser. Oh là là, la psychiatrie. Avec sa bouche, il fait ça. Ah, il veut le bouffer. Ça va, lui, il se met en mode allongé.
Bah oui, pour regarder partout. Tu vas lui sauter dessus. Elles sont vraiment pas sages. Les gars, je suis choqué. Comment ça, les chats, ils se battent? Bah, en gros, tu vois le chat gris qui se bat avec le blanc. Oh, le chat blanc, il a frappé le chat gris. C'est-à-dire son grand frère. Moi, les gars, j'hésite à reprendre un chat à la maison parce qu'imaginez, ils se battent comme ça. On n'est pas trop bagarre, on n'aime pas la bagarre. Ils se battent entre chats. Ou alors, peut-être, c'est un jeu. Hein. Moi, je pense pas que c'est un jeu. Il allait pour en découdre. Il allait pour le frapper. Et ça fait vraiment flipper. Donc, dites-moi, ceux qui ont des chats, comment ça se passe quand les chats, ils se battent? Faut faire quoi pour qu'ils arrêtent? Parce qu'on faisait. Ils partaient pas, genre. En plus, genre, des fois, tu retrouves ton chat avec grave des cicatrices et tout. Franchement, les chats qui se battent, c'est trop violent, la famille. On dirait, ils veulent se tuer. Mais what, regardez ce qu'il entre. Mais Yacine, tu respectes rien. Eh, hey, t'es dans un. Arrête de ballon. Dans un ring de boxe, c'était pour faire la boxe, tu joues au foot. Eh, hey, mon chat, il est là-bas. Il m'attend là, mais je peux pas m'empêcher de jouer au foot, tu Yacine, c'est un ring de boxe, c'est fait pour faire la bagarre ici. Là, les gars, c'est le chat de Yacine. Regardez son nouveau chat, Yacine. J'ai envie de l'adopter, mais je sais pas s'il va vouloir. À chaque fois, il se cache. Il s'appelle Chigrou. Il est là, ton chat. Je sais pas s'il va vouloir. Mais ils ont une maison. Salut Chigrou. Leur maison, ils vont que dans leur maison, regardez. Leur maison, elle est là. Tu vois pourquoi il veut pas venir ton chat? En fait, il fait tellement chaud que. Ah ouais. Il préfère se reposer au truc. Viens Chigrou, viens. Viens Chigrou, viens. Il a les yeux jaunes. C'est toi, tu veux pas le nourrir? Si. Viens Chigrou, viens. Bon, on le laisse se reposer dans sa maison. Ah, il mange. Tu l'aurais mis à manger là, regardez, il y a des croquettes. En fait, il est en train de grailler. Ça fait plaisir, en plus, c'est à l'ombre. Et par contre, quand je fais du sport, il fait que de me gêner, il me rend ouf. Hey, mais vous savez que les chats, ils font grave des bêtises. Ah ouais? Ah bah alors, on va regarder une vidéo d'un chat qui fait des bêtises pour voir. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait les gars? Regardez les chats ce qu'ils font. Imagine, il grimpe dans ton armoire, il prend toutes tes affaires. Mais tu vas tomber, descends. Descends. Mais des. Oh là là, on dirait que c'est mon chat qui fait les bêtises. Oh, c'est une blague. Regarde, il est où le chat? Wesh. Imagine, il rentre dans le canapé comme ça. Et oh, les griffes. What, les griffes de fou. C'est ma phobie, t'imagines, on sort dehors. Et en attendant, regardez ce qu'ils font les chats quand tu sors dehors. Parce que t'es obligé de laisser ton chat tout seul à la maison. What? C'est une blague. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est Yacine. Lui! Il a grillé l'escalier. Il est tout mignon en plus. C'est une blague. Oh, il touche même aux ordinateurs. Les gars, là, je vais donner à manger au chat parce que là, j'ai vu qu'il mangeait un peu de pain. Donc, je vais leur donner à manger. Va loin. Les gars, là, je crois leur lancer du pain. Et là, j'ai l'impression que là, il est devenu mon meilleur ami. Les gars, là, il y a du pain, là. Là, tu vois, là. T'as vu? Je suis gentil. Les gars, je crois qu'il commence bien à m'aimer, le chat. Il commence à bien m'aimer. Là. Là, il y a du pain. Voilà. Non, là, regarde là. On va leur redonner. Il est trop petit beau. Celui-là, il est bien, non? Vas-y. Tu vois? Regarde. Là. Tu veux le caresser? Oh, tu l'as caressé. C'est mon chat, les gars, c'est mon chat, ça y est, c'est mon chat. Tu veux le caresser? Vas-y, viens. Viens le caresser, dépêche-toi. Ah, il est trop mignon, j'aime bien mon chat. C'est bon, les gars, je l'ai adopté. C'est mon chat, c'est mon gars. Vas-y, on se revoit tout à l'heure. Il faut juste qu'on lui trouve un prénom dans les commentaires. Dites-moi comment on l'appelle. Non, c'est eux qui vont décider. Il y a son grand ref. Il est parti voir son grand ref. Il s'est battu là. C'est celui qui s'est battu. Et il est parti le voir. Lui, wallah, c'est un ouf. C'est un ouf dans sa cité. Pardon, grand ref. Excuse, grand ref. J'ai caressé un chat pour la première fois de ma vie. Bah, c'est normal, on voulait en adopter un. Non, par contre, il y a son grand ref. Son grand ref, il est vraiment mortel. Regarde comment il te regarde. Je suis désolé. Regardez, les gars, je vais zoomer sur son regard. Je voulais pas faire ça. Il est trop méchant, lui. Il a fait quoi aussi? Il a fait quoi un chat? Il l'a attrapé par derrière, il l'a griffé là. Ouais, dans la vidéo, ils ont vu. Non, regardez, il y a quoi derrière vous? Il y a une libellule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une masterclass aujourd'hui. On a galéré avec le chat dans le jardin, l'Espagne, les chats qui se battaient. Oh là là, Myriam, comment on va faire pour adopter un chat vraiment? Bah, en vrai de vrai, il y a pas trop de solutions. Là, j'en ai plus. Moi aussi, je suis un coup. En commentaire comment on peut faire parce qu'on aimerait trop avoir un petit chat. N'oubliez pas de mettre un gros like et de vous abonner. Bientôt les 2 millions d'abonnés, les amis.